Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je me lance dans la fabrication de petites figurines. Je vais m'attaquer à Grotadmorph d'Alola. Donc comme d'habitude, j'utilise de la pâte à modeler qui se cuit, donc qui durcit au passage au four, hein, à 130 degrés. Donc, Grotadmorph d'Alola, on se retrouve comme d'habitude après les images. Peinture, acrylique aussi, j'ai quelques petits outils pour façonner la figurine. On se retrouve après les images, et on discute du résultat. Thank you.
J'ai terminé gros tas de morve d'Alola. Voilà, alors ça a été un petit peu compliqué de peindre. J'ai de la peinture acrylique, on va dire standard, classique. Elle adhère pas bien à la pâte à modeler, surtout lorsque les parties sont plutôt rugueuses. Donc je vais essayer de voir si je peux pas trouver une meilleure, enfin une peinture acrylique plus adaptée, on va dire, à ce support-là, aussi avec un peu plus de brillance, ça peut être plutôt sympa. Donc je vais rajouter la petite langue que j'avais oubliée, hein, tout simplement. Je trouve que le résultat est plutôt correct. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, l'objectif, ça va être d'essayer de lisser la pâte aussi. Je vois qu'il y a visiblement quelques petites techniques qui te permettent d'avoir une pâte qui est plus lisse avant de la passer au four. Et aussi trouver de la peinture. Alors, si j'arrive à trouver de la peinture qui est plus sympa avec un petit vernis, je repasserai pourquoi pas dessus et pour voir un petit peu si on peut améliorer le résultat. Mais je suis quand même pas trop déçu du résultat final. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto fabrication de figurines Pokémon vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao, ciao.